Bonjour, on fait pas une rediffusion à vous. En espérant que tout va bien pour vous aujourd'hui ce matin. Alors. Eh bien, on va aller par ici. Hein. On va commencer direct par la quête principale. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Révélio. Je devrais regarder ça de plus près. Il y a une petite crotte, on va regarder la petite crotte quand même. Alors. Il est où le petit cube? En haut. Ah, maintenant, du coup, ça me l'a fait. Maintenant, ça m'a fait pour nous. Pas action Wingardium Leviosa. Leviosa. Un peu petite Rebellion. Je mets sur le feu. Au plafond. Ouais, génial celui-là. Wingardium Leviosa. Revelio. Action. Wingardium Leviosa. Revelio. Il va remonter, oui. Wingardium Leviosa. Ressources.
On verra bien si j'arrive à le choper de là. Action. Wingardium Leviosa. Confringo. Ça m'intrigue. Revelio. On dirait que c'était déjà fait. Elle a pas les écouteurs, la Miss Tinguette. Ah, vous êtes là. J'ai... Vous reconnaissez cette tête sculptée? On dirait un grappe-corne. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un grappe-corne pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc cela que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures? Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappcorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Un Grappcorn? Vous avez déjà maîtrisé un Grappcorn, professeur? En effet. Il y a des années, à Stonehenge d'ailleurs. Le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques. Mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. Vous allez devoir le fatiguer. C'est parti. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. On va chercher un grand. C'est ça que je veux. En fait, c'est parce que j'ai appuyé sur le bouton en même temps. Attends.
À 1000 mètres. Plus loin quand même. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. La constellation du loup. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Je dois être au bon endroit. Que me réserves-tu cette fois? Confringo. Ce n'était pas Révélio. Voilà, une petite épreuve de merlin. Un truc de moins qui traîne sur la carte. Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi.
alias. Oh, j'ai roulé une boulie là. Mais. C'était en train de te lancer quelque chose. Qu'il est pas content. J'ai besoin de toi, mon ami. J'ai pas eu coin-coin. C'est encore cette arnaque. Garde ton énergie pour plus tard. Doucement, doucement. Voilà. Et si on accélérait un peu la cadence? Garde ton énergie pour... Des braconniers. Voyons si le Seigneur des Rives apprécie leur présence dans la région. Pourquoi as-tu besoin d'un hippogriffe, d'ailleurs? Doucement, doucement, voilà. Garde ton énergie pour plus tard. Plus vite! C'est parti! Et si on accélérait un peu la cadence?
a dit que le crime ne payait pas. Si tu veux. Il faudra faire mieux que ça pour arrêter le seigneur des rives. Rockwood ne s'en rendra pas. Être dangereux si je ne fais pas attention. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. Il y a quelqu'un. Finissons-en, si tu le permets. J'ai plus d'important à faire. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Hors de mon chemin! C'est toi qui as interféré dans nos affaires avec cette femme obsédée par Merlin, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas te mêler. Et bah dis donc, sacré monture, hein. Doucement, doucement, voilà. On rentre avec, il passe. Non, du coup ça passe pas. Le professeur Rackham a peut-être eu raison de vous faire confiance. Pour ma part, j'ai encore des réserves. Isidora, comme vous le verrez, n'était pas celle qu'elle prétendait. J'espère que cette fois ce sera différent. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Bakar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Bon. La statue est belle à lui aussi. Allez, on est parti pour un souvenir. C'est moi, Isidora. Isidora ? Ah ! Me
Monsieur Morganach, je... Monsieur Morganach ? Zan, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord ? Mais qu'avez-vous fait ? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi ? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir, pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela. Expelliarmus! Ah bah c'est comment dire. Elle est en vie. Tiens, tiens. Comme qu'elle est bizarre, la baguette. Coffre par ici. Qu'est-ce qui semble choisir ces salles? Les grottes sous Poudlard, celles où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui.
Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrok. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des 4 artefacts trouvés au-dessus de nos pancines. Alors Ranrok ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander ? Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Le professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrok. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrok compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Très bien, professeur. À très bientôt. Est-ce qu'on peut vous parler, Manon ? Non, tu veux pas nous reparler ? Que dois-je faire avec les artefacts, professeur Rackham ? Apportez-les à Monsieur Ollivander. Non, mais c'est tout. Oula, au secours. Ah non, c'est une impératrice, c'est pas une terrible qui m'a fait peur. Qu'est-ce qu'elle a râlé encore ? Et c'est pour ça que tu râles, parce que t'as remis le son ? Ouais, alors ça... Voyager dans toutes les grenouilles. C'était un cirque. Réveillon. Bon, ça, j'ai pas encore... Ah oui, mais attends... Je vais essayer des trucs que j'ai pas encore essayé. Réveillio. Confringo. Je sais pas ce qu'on fout dans ces tapisseries. Axio. Flipendo. Repulso. Levioso.
sauver Lio. Je ne sais toujours pas ce que je fous avec ça. Comment vas-tu, Rani, du coup? Bon, allez, on va quand même regarder un petit peu mieux. Pas de quête. Ollivander est ici. Neuf sur 40. Y a pas grand chose. M'aider à fabriquer la baguette du gardien. Demande ce que Merlin penserait du monde des sorciers. Vous êtes de retour. C'est un plaisir de vous revoir. Ouais, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand-chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur, je les ai avec moi. Ah, mince, c'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. Mais vas-y doucement. Tu fais pas mal. T'as l'air un peu fragile. La voilà. Ouh là là, sacrée baguette. Je préfère vous le dire. Je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Oui, je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur. Qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi.
Compte tenu de ce que Ranrock sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne convergeront jamais. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance! J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Ouais, je vais mettre des claques dans sa dentition. Ah, carrément. Oh, mais qui nappe comme ça? Putain. Un coup de transplanage. Méchant ou vilain, du coup, le transplanage? Parce que l'autre, je sais pas c'est qui, moi. Pas eu le temps de voir. Sûrement méchant. Qu'est-ce que je fais avec Incendio, moi encore? Ce serait sûrement dur de tuer un vol de lune. Expulsion. Attends. C'est vrai que j'ai expérimenté, si j'ai vu. Comment as-tu osé me faire une chose pareille? C'est tout ce que tu as? Action. La mort! Expulsant. Ok! Tu veux pas jouer à ça? Ok. Alors par contre, j'aime pas du tout ce truc. C'est bien pour quelqu'un de ton âge. Ne me facilite pas trop la tâche. Oh là. J'ai trouvé cette trappe. La chance du débile. Je viens de manger. Que je fasse.
Mais on s'en fout de l'inférieur. Il est où celui qui avait du jaune là? Et raté. C'est ça l'élite de Poudlard. J'ai quoi tout ce bazar? Non, c'est le B cette fois-ci. Je n'arrive pas à y croire. Le règne de Rookwood est enfin terminé. Il faut vite que j'envoie un hibou à Nati pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferais mieux de retourner à la salle de la carte. Rejoins-moi dans la forêt interdite et nous pourrons lui parler du symbole créé par les Vaux de Lune. Sur les combats de dragons, c'était le meilleur investissement. Revelio. On fait du bazar. Allô, Mora. Je ne me souviens Revelio. Pas. Alors, on va voir Nati. Non, Poppy qui... C'est Poppy normalement qu'on va voir là. Elle est où Poppy? On va aller là. On a une petite dizaine de minutes. Je vais aller voir ce qu'il y a autour. Si je peux. Et puis on fera du coup Poupsy et...
Il reste après. Réveillon. Donc on est là. Je peux aller là et là. Non, j'ai un truc là. Des crapiots. Réveillon. On verra c'est après ce. Connu des jours meilleurs. Et puis des crapiots. Je devrais regarder ça de plus près. Confingo. Ça m'embête là. Attends, j'essaie un truc. Parce que ça sert à rien. Oui, ça sert à rien en plus. Incendio. Viens me voir en fait. J'ai reçu un hibou intéressant de Johanna Pickel au sujet d'Arlo. Promenez-nous dans les bois. Et du coup, je vais aller voir la source de magie ancienne. Parce que c'est juste à côté. Je me demande qui vivait ici. Ok, alors on va jouer à la grenouille. On va commencer par celle-là. Réveillon.
Oh, mais il y en a encore par là. Bon, bah, on va faire les grenouilles une par une, hein. Et voilà, résolu. C'est tout. Rébellion. Confingo. Rébellion. Voilà. Rébellion. Qu'est-ce qui nous reste encore à côté? Ah, c'est le sanctuaire des crapiots. Les hippogriffes, on en a quand même déjà pas mal, hein. Bon, du coup, ça va être fini, hein. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Rébellion.
Revelio. Et vous dites qu'ils sont apparus lorsque vous avez placé la pierre de lune. Savez-vous pourquoi? Ou ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un rapport avec les vivés? Le savoir d'une personne peut être aussi vaste que l'océan, mais aussi peu profond qu'une flaque d'eau. On va se mettre là, hein? Ça a l'air sans danger. Comme ça, on va peut-être les écouter parler. Enfin, vous les entendrez peut-être parler pendant que je suis pas là. Merci de nous avoir regardé YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous.